Je joue la pièce et ensuite on va la travailler. Télécharger la tablature, regardez la description de la vidéo. Je commence avec un accord de La mineur. Je joue avec le pouce et les doigts IMA sur les cordes 3, 2 et 1. Et ensuite, je joue le Ré avec le quatrième doigt et l'index. Et après le majeur sur le Mi. Ensuite, je joue poussé IM. Donc je laisse résonner et je joue poussé IM sur les autres temps. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 1. Ensuite, j'enlève le premier doigt. Je joue pouce sur la cinquième, I sur la quatrième, M sur la troisième et l'annulaire sur la première corde. Et je joue. Ensuite, je mets le premier doigt sur le Fa, donc ça fait, je peux jouer avec l'index ou le majeur, comme vous préférez. Et là, je joue un Sol, troisième doigt et le quatrième doigt sur le Sol, et pouce IMA. Ensuite, je glisse le quatrième doigt sur le La, et je fais un lié descendant rapide. Et là, je descends le premier doigt, Fa. Et je reviens à ce que j'ai fait avant. Donc, je commence le début lentement. Et là, on va continuer maintenant. Mi à vide. J'enlève le premier doigt, je le mets sur le Fa et je joue pouce cinquième, I quatrième, M la troisième et l'annulaire la première corde avec le Fa. Ensuite, je pose le quatrième doigt sur le Sol et majeur. Et là, j'enlève tout, je glisse jusqu'au La. Je pose le troisième doigt sur le Do et je joue pouce IM avec donc le pouce sur la cinquième. Ensuite, je joue le Si et là je redescends, deuxième doigt sur le La, quatrième doigt maintenant est sur le Sol et je joue pouce IM, Fa deux fois, Mi, donc ça fait, et là j'ai des triolés, Mi, Ré, Do, Ré. C'est toujours pouce sur la quatrième, index sur la troisième et majeur sur la première et
Là, je passe à la mesure 6. Je joue le pouce. Mi à vide. J'ai toujours le deuxième doigt qui est présent. Do. Si. Et là, je pose le troisième doigt du Fa, le deuxième doigt sur le La et le premier doigt sur le Do. Et je joue poussière. Ensuite, Ré avec l'index. Si. Donc j'enlève le premier doigt, mais je garde 3 et 2. Et ensuite, je joue le La avec le troisième doigt. Je refais ça très lentement à partir de la mesure 4. Je pose le 3 parce que maintenant, à la mesure 7, je vais faire. Donc j'ai Mi avec le deuxième doigt, Sol dièse avec le premier, poussième, et ensuite c'est le troisième doigt. Et je rejoue le Si. Donc, et ce doigt, je dois le réenlever quand je joue le Si. Donc je fais pas, je le garde pas. Ensuite, je pose le pouce sur la sixième corde, c'est poussième sur Mi, Mi et Sol dièse. Si à vide, donc j'enlève tout. Do. Et là, le premier doigt va sur le Sol dièse, le deuxième sur le Mi et le quatrième sur le Ré. Et je joue poussième A. Donc pouce sur la sixième et le reste IMA. Ensuite, Do, Si. Et là, je pose comme un La mineur, sauf que je n'ai pas le premier doigt, et c'est poussiéma. Donc, pouce sur la cinquième, I, M et A. Et je joue le La. Ensuite, je rejoue, donc, je fais ça. Poussiéma et poussiéma. Poussi, pardon, d'abord, et ensuite poussiéma. Donc, vous faites poussiéma, M, poussi, et ensuite poussiéma. On arrive donc à la mesure 10. C'est peut-être le plus compliqué. Je joue un Fa. J'ai le Fa, donc premier doigt, le deuxième doigt et le troisième. Et là, je dois faire un barré parce que je ferai. Donc, barré, premier, et là, 3. Ensuite, je pose le quatrième sur le Fa et je joue poussiéma. J'enlève les doigts, je mets le La, le Si et là, je glisse le troisième doigt et je pose le deuxième. Je joue le Ré avec un lié descendant. Le premier sur le Si. Et là, j'enlève tout et je pose le quatrième doigt sur le Sol. Et je joue avec pouce, index, majeur et annulaire. Et je fais. Donc, M, I. Donc, je refais ça lentement. Poussième. Le troisième doigt va à la septième case sur le Si. Et là, je pose le premier doigt sur le La et je joue poussiéma, toujours sur la sixième, la troisième, la deuxième. Sol avec M. Maintenant, c'est poussiéma. Sol. Et là, je pose le Fa et le La. Et je joue Ré, Fa et La ensemble. Je
refais à partir de la mesure 13. Maintenant, je déplace la main. Je sais que je vais jouer un Ré. Donc c'est Sol, Fa, Mi. Et je place le quatrième doigt et le premier. Ensuite, Mi, Ré, Do. Et là, je joue La et Ré. Donc c'est Ré, La, Ré. Mais je fais avec le premier doigt aussi le Do. Et le pouce I. On va tout retravailler ça à partir donc de la mesure 10. Regardez bien ma main, comme je la déplace maintenant, et je change. Là, je rejoue poussé I, Do. Fais des triolets, Ré, donc La, Ré, Ré, La, Ré, Mi, Fa, et ça c'est en triolet. Et ensuite je joue simplement un Do, je ne suis pas obligé de mettre le deuxième doigt puisque je ne vais pas l'utiliser, mais si vous voulez vous le posez. Et là je joue pouce IMA. Et là ça sera Mi, Ré, Do. Et encore l'accord de Do. Donc ça fait... Vous pouvez très bien garder le premier doigt, il n'y a aucun problème. Donc si je prends de la mesure 15, j'ai... Là, je rejoue le Do et le Sol et le Do. Le La qui est la mélodie, donc j'enlève tout, je pose le deuxième doigt et ensuite j'ai le premier sur Sol dièse et là je joue pouce sur la sixième corde, index sur la troisième et majeur sur la deuxième corde. Je pose le deuxième doigt sur le Do et le quatrième sur le Ré et je rejoue avec le pouce et l'index. Maintenant je joue le deuxième doigt et le pouce. C'est pas très fort en fait, c'est l'accompagnement. Et ensuite, je enlève tout sauf le premier doigt, je pose le deuxième, je joue toujours pouce IM, le Si, et je refais ce que j'avais fait avant quand il y avait le La où je ne posais pas le premier doigt. Je refais à partir de la mesure 14, donc là où on était là. Maintenant, je joue avec le pouce. Donc, Mi, lié descendant et Mi. Je garde le Mi et je joue le La mineur. Mi, Fa, avec le quatrième. Toujours le pouce qui fait la mélodie. Quatrième, parce que maintenant, je vais poser le 3 et le 2 pour faire un Sol et je joue pouce IMA. En faisant bien attention que cette note est importante, c'est le Sol. Ensuite, lié descendant, j'ai le La. Donc La. Et le Fa. Donc je refais ça. Même chose. J'enlève tout, Mi, Fa, Sol.
La sur la troisième corde, Si. Donc, je reviens sur la quatrième corde, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Ré à vide, Do, Ré. Donc, l'accord de Ré mineur, donc 2, 4, 1. Ensuite, toujours avec le pouce, Mi, Do, Si, Do, Ré. Attention, j'enlève les doigts quand je joue le Ré. Si, La. Si, La, Si. Comme j'avais fait Mi, Ré, Mi, c'est. Et là, maintenant, c'est l'accord de Mi. J'enlève les doigts. Si, Do, Ré. Do, Si, Si, La. Et là, je finis avec un barré à la cinquième, poussiéma. Je refais toute la section à partir de 19. Il y a une chose, c'est que quand vous faites ça, vous pouvez très bien jouer soit avec le pouce, soit avec un doigt, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que quand je fais ça, aussi ça avec un doigt, il n'y a aucun, c'est un peu comme vous préférez, okay? Là, au lieu de finir comme j'ai fait, etc. Il y a parfois la possibilité de jouer des cordes à vide, par exemple ici, le sol, mais je trouve que c'est plus musical de le jouer ici. La même chose quand je joue Si Do Ré au lieu de. Mais c'est votre choix. Si vous préférez jouer le Ré à vide, il n'y a aucun problème. Cette transcription est en La mineur. Le concerto d'Aranjuez, en fait, est en Si mineur. Et donc, c'est ici. Et là, il y a une transcription aussi que je ferai. En fait, c'est Aranjuez ma pensée et c'est joué. C'est tout le deuxième mouvement, mais joué et ça a été arrangé en fait par Rodrigo et je pourrais faire une leçon sur ça. Donc bon travail.